Salut tout le monde, je suis Mika Rob et bienvenue dans ce nouvel épisode de Uncharted The Lost Legacy. Dans le dernier épisode, nous avons eu un petit, inconvénient avec Nadine. Elle a découvert, Chloé lui a dit que Sam était en fait l'expert de Asav. Et qu'il tâtait le terrain pour elle, je veux dire. Donc voilà. Et ensuite, nous a coulé un pain. Hein, qui nous a couché, bien sûr. Ensuite, on a été séparés, parce qu'elle est partie. Et ensuite, on s'est retrouvés après avoir mis la raclée à quelques gars d'Asav. Après, on a trouvé un éléphant qui était coincé sous un pilier, ou un truc comme ça, je pense. Ouais, sous un pilier. On l'a dégagé, on est monté sur son dos, il nous a amené jusqu'ici. Et on a fait un selfie. Ah, juste avant, on s'est battu avec Asav aussi. Donc voilà. Donc là, on est go. On part. Ah, un trésor par là, hein. Salah affrontant le tigre. On est sur la bonne voie, à mon avis. Ah, il est ici. Ça fait peut-être longtemps, mais dans mes souvenirs, les éléphants étaient plus grands. T'as sûrement l'habitude de voir des éléphants d'Afrique. Là, ce sont des éléphants d'Asie. Ah. C'est quoi la différence? Plus petit. Plus petites oreilles. Avec, comme, les doubles bosses sur le crâne. Mais ils ont une chose en commun. C'est quoi? Ils te piétineront si tu t'approches de leur petit. Compris. Oui, c'est une chose à bien en avoir en tête. Non, je pensais qu'on pouvait passer là, non? Ouais, ils sont passés par là, en tout cas, puisqu'il y a... Sympa, Asav, de nous avoir laissé des provisions. Fais le plein si besoin. Ça marche. C'est ce que je vais faire, de toute façon. Je vais pas demander la permission. Voilà. Ça c'est pour Bibi. Ah mais non, mais j'en ai déjà. On va prendre ça. Y'a rien d'autre. Ici y'a quoi? Des armes. J'ai quoi en armes? D'accord. On va garder ça. C'est déjà assez puissant ce que j'ai. J'aurais rien eu. Ça aurait été autre chose. Là-haut. Ah, une photo. J'aime bien, c'est... Elle prend des selfies, enfin pas des selfies, mais... D'accord. Ah oui, l'arbre avec les grosses... Ouais, c'est pas mal, ouais, c'est beau, c'est belle comme photo. Enfin, c'est beau comme photo, je veux dire, enfin, c'est belle. C'est vrai que... C'est pas mal. Alors, attends. Passer par ici. Ah, un trésor là. Obligé de passer par là. Et il est là. Il était juste là en plus, tout près. Une pièce. Allez. Geronimo. Encore un trésor, mais il y a des trappes partout là. On est censé aller où? Ah d'accord, il est là-bas. Attends, voilà, parce qu'on n'était pas assez haut. Voilà. Allez Nadine. Tu deviens mou là. Tu deviens molle plutôt. Tu ramollis. Là aussi, on passe par ici. Allez, Geronimo. C'est parti. Ça va tomber. Ah, j'ai cru que ça allait tomber.
ça fait rien, elle, ça fait pas de crack. Regarde, alors il y a une fuite là. Je vois de la lumière à travers l'eau. Waouh. Franchement, il est magnifique ce jeu. Comme le quatrième, franchement, et les deux, c'est pareil. Bonjour, Bellour. Tu sais, c'est pas tous les jours qu'on peut admirer une ville que personne n'a vue depuis des siècles. À part Asav. Oui, à part Asav. À part Asav. Et une partie de ses hommes. C'est sûr. Et une partie de ses hommes. T'es prête? Tu viens toujours de me gâcher ce beau moment. Tu te rends compte? Ça me rappelle quand Sam a... Enfin, quand Sam et Nathan ont... comment on s'appelle? Ont découvert la ville où... Comment on s'appelle? Le paradis, là, des pirates. Ils disent, laisse-moi des... apprécier ce moment. Comment on entre? Je sais pas. On dirait des habitations sur le côté. Alors grimpe. Faut voir comment elle a pris cette photo. Ça va. Elle a de l'avenir dans la photographie. Avec les portables. Allez. Oula. Il y a des ans. Il y en a d'autres là? J'ai cru en avoir vu un autre là. Allez. Tu crois? Ouais, je sais qu'il y a des gars là, mais... celui-là aussi là. À tête, à sniper. C'est bon. Voilà. Impressionné. Voilà. D'autres. Allez. On va faire un coffre en même temps. Ouais, je sais. On va prendre celui-là. Et un autre. Désolé, je me mets avec toi. C'est bon. Voilà ça. Ah! Voilà. C'est bon ?
Ah oui, d'accord, on doit passer par là-bas. Ça me rappelle les armes de Target SG, hein. Ce qu'elle a, Chloé, là. Où ça? On va prendre là. Ah, il m'a pas tué. J'ai cru. Ok. Lui, c'est fait. On va essayer de grimper là-haut, voir s'il y a quelque chose. Tu peux te pousser? Non, c'était pas là que je voulais aller. Voilà. T'es obligé de faire ça pour passer. On va se mettre là-bas. Il a invité à la fête. J'ai découvert. Oups. On va attendre qu'il vienne. Tu peux pas t'en tirer. Ah ouais? Voilà. Tu disais? J'entends plus rien. Quel dommage. Oups. C'est bon, il n'y a plus rien. Où ça? Ah là. Ouais, attends, on va prendre le gros là. Qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il est où l'autre? C'est bon? Plus de candidats? C'est fini. D'accord. On va trouver un moyen de sortir. On va prendre ça à la place de toi. Le temps d'avoir autre chose. Non, attends, on va chercher notre arme, parce que fusil à pompe, c'est pas trop mon truc. Et ça, c'est quoi? Ah, voilà. Ça, c'est mieux. Fraser, il y a une porte là-bas. Il y a peut-être un passage. Oui, j'arrive. Ok, on y retourne. Non, c'est carré. J'ai appuyé sur triangle, moi. Et allez. Voilà. Voyons où ça nous mène. Ça nous mène ici. Encore ici. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Par là. Ah ouais, c'est bon. Peut-être pas sûr à 100%, mais bon. Wow. Assav a pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assav aurait plus respecté cet endroit. Assav ne respecte qu'Assav. Ça, apparemment, oui.
Il y a quelque chose, mais ça doit pas là. Peut-être en haut, je pense. J'aurais jamais cru découvrir un lieu plus spectaculaire qu'Alibidou. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Ah, il y en a un là. On peut y aller là. Ouais, c'est bon. Ouh. Là aussi, j'étais pas totalement sûr. Mercredi. Je pensais pas que. Il doit bien y avoir un moyen d'entrer dans la ville. Allez. Wow, là-haut. Assa va pas dû trouver d'entrée, alors il s'en est créé une. J'aurais cru qu'Assa aurait plus respecté cet endroit. Assa ne respecte qu'Assa. Ah, ça c'est sûr. Comme je disais tout à l'heure. D'un côté, c'est dommage que Bélour soit caché aux yeux du monde. Maintenant, c'est pourquoi. Allez, allez, allez. Donc là, voilà. Passe par ici, c'est bon. Ah, une tête. Un autre dieu. Je dirais que c'est un des rois Oysala. Ils avaient combien de rois à l'époque? 11. Le jeune roi était le dernier de leur lignée. Son plan a marché. Il a protégé sa ville des Perses. Bah, apparemment, ouais. Par où? Ah, par là. Geronimo! Oh. On est déjà venu ici. Vise le rebord au-dessus des chutes d'eau. Ah! Viens! Ah, d'accord. Donc, faut que je revienne. Allez! Merci. Par ici. Ah! Je suis dommage. Voilà. Ça m'a perdu, je traverse la chute d'eau. Voilà, on retourne là. D'accord, par là. Et voilà, par là-haut. D'accord, par ici. On fait que grimper là-dedans. Allez, voilà. Ici. Encore sur le côté. Et on y est. Et voilà. C'est de plus en plus spectaculaire. C'est clair. Ah. Et juste pour être sûr qu'on est bien à Bélour, voici le seigneur Shiva. Et Nandi. Et j'imagine que là, c'est Ganesh, dis-moi, avant qu'il ait sa tête d'éléphant. Possible. Ça pourrait aussi être Kartikeya, le fils aîné de Shiva. C'est le dieu hindou de la guerre. Ils ont apparemment pris des chemins différents. Il est où ce trésor? Bon sang! Ils ont explosé l'entrée! C'est sûrement l'explosion qu'on a entendue. Sûrement une autre entrée. Et là-haut, non? Ils essaient de nous ralentir. Ouais. Oui, il est où ce trésor? Non. Ah, mais il était là. J'entendais le bruit, mais je ne voyais rien du tout. Alors, peut-être par là, non? Je crois que c'est une ouverture. Je suis là, Nadine. Quel drôle de goût. Bah ouais, mais faut pas goûter, hein. Tu dis, quel drôle d'odeur, ouais. Faut pas être quel drôle de goût. Mine-toi, faut qu'on rattrape les autres. Je les vois. Ok.
Ils sont où? Je les vois pas. Ah, d'accord, là. Il y a un trésor, là. C'est fait. On y va. Bien. Ah, on sent. Ils nous ont encore coincés. La ville est grande. Il doit y avoir un autre moyen de passer. C'est quoi cet endroit? Un bain? Ou un puits? Peut-être les deux. Alors... Il est où ce trésor? Peut-être au milieu. Non? Il doit être là, non? Regarde, il y a des bulles d'air qui remontent dans le bassin. Oui, j'ai vu ça. J'aimerais juste trouver... Ah bah il est là. Voilà, ça c'est fait. Allez, c'est parti. Alors par contre, c'est par là. Voilà. C'est par là qu'on va aller, je crois. Lève la tête, on est dans une sorte de cénote. Attends, est-ce qu'il n'y a pas un trésor par là? Ah bah si. Il est où? Ah là. Non, même pas. Je sais, j'ai vu ça. Il est où? Dans l'eau? Il doit être dans l'eau. Parce que je... Là, ah. Ah, mais je l'avais. D'accord. Voilà, c'est bon. J'arrive. Quoi? Ah, c'est des... J'allais dire Lucioles, mais c'est pas ça, je sais plus comment ça s'appelle. C'était peut-être des bains royaux. Des statues de femmes pour changer. Ah, bah elle est passée où Nadine? Elle était sur la... Elle était devant pourtant. Les femmes disparouches dans la société Oysala. Surtout les reines. Ça m'étonne pas, vu que les rois et les hommes partaient tout le temps se battre. Elles s'adonnaient aussi à l'art comme la poésie ou la musique. Bellour était leur ville d'une certaine façon. Ok. Je pensais qu'il y aurait une porte à ouvrir avec un secret, enfin un trésor. C'est quoi cet endroit? Okay. Alors. Quoi? Un ancien manuscrit Canada. On dirait des strophes. Peut-être un poème. On est dans une bibliothèque? On dirait. Donc on va faire le tour. C'est quoi ça? On dirait un tambour. C'est un tambour. Il conserve toutes sortes de choses ici. Bah apparemment, ouais. C'était non seulement une bibliothèque... Par ici. Ouais, bah on verra ça. Je suis désolé, mais là, j'ai mon sens du trésor qui vient de s'éveiller. Ah. D'accord, c'est ça. Ah, mais il y en a un autre. Où es-tu, trésor? Trouve-moi, trouve-moi. Mais je veux bien. Ah, voilà. Ah, suffit de demander, hein. Voilà, je t'ai trouvé. Wow. Alors. Regarde ça.
un genre d'hôtel. On dirait surtout que les rois souffraient pour leur peuple. Ils protégeaient pas juste la défense. Les historiens pensaient qu'elle était un symbole de puissance et de domination, mais je commence à croire qu'ils se trompaient. C'était le symbole de leur peuple, de leur culture. C'était le symbole d'eux-mêmes. Alors c'est quoi ça ? Son père est venu là, parce que les objets qui sont dessus sont le même qui sont le même que ce que son père lui a donné. Il l'avait trouvé à Libidou. Ou Bélour, je sais plus. Je peux pas laisser Asav s'emparer de cette défense. Non. Non, pas question. Merci. Tu me remercieras si on sort d'ici vivante. C'est pas faux. Oublie pas Ganesh. C'est sûr. Si tu l'aurais pas prise, bah, on aurait été obligé de chercher un autre endroit pour y arriver. Voire même qu'on aurait même pas pu y aller. Par là. Pas besoin de crier, elle est derrière toi. Waouh. J'aime bien ce genre d'endroit avec peu de lumière. Magnifique. Ah. Toute cette splendeur cachée aux yeux du monde. Comment on fait pour passer ? C'est pas ici. Attends. Bah, faut sauter, je crois. Hein. Allez ! C'est assez profond ! Allez ! Je crois qu'il y a un trésor, j'ai entendu le bruit. J'ai mon sens du trésor qui vient de s'allumer. On va remonter puisque sinon on va plus avoir d'air. Pas un truc qui brille là. Avec les remous, je vois rien. Putain, je vois que dalle. Ah, je me suis éloigné. Bon, c'est pas grave. Je le trouverai bien à mon temps libre. Ah, peut-être par là, non ? Ah mince, vite. Okay. Ah, désolé. Voilà.
c'est par là. Je vois. Il n'y a rien ici. On va aller par là. Voilà notre entrée. Oh, d'accord, donc en fait c'était bien par là. Donc l'autre entrée en bas. Oups. C'est quoi l'autre entrée? Ah, c'est pour le trésor. Un sablier. Allez, on y va. Ouais, c'est par là. Non, qu'est-ce que tu me fais? Non. Oula, il y a un effet bizarre là. Allez. Allez, merci. T'es pas assez rapide, Chloé, là. Non, apparemment pas. Oups. Ok. C'est par où? Ah, c'est là. Bon, cette fois on va réussir, non? À moins que ce soit comme ça. Ouais, c'était comme ça. Ah, non, faut monter. Allez. Par là. Voilà notre entrée. Ça marche. Oui, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Oups. Oh, c'est bon. Allez. Merci d'être passé devant. De rien. Tout le plaisir est pour moi. Et une nouvelle photo. Hey, tu vas bien? Désolé. Laisse-moi le temps de reprendre mes esprits. Vas-y, brosse! Oh. Ça alors? C'est quoi ce bordel? Tes esprits, c'est bon? Fais ta maline! Ouais! Ah, le seul coup. Un sac coup positif, hein, ça a détendu un peu l'atmosphère. Voilà, le truc qu'elle lui a fait. Viens là, je te... Bah non, t'es plus là. Prête? Je t'ai à l'œil, tu sais. Ouais. C'est un peu juste ici. Ah bah heureusement que t'es fine. Ah, salut. Hein. Une bien jolie ville. Ouais. Oh, j'ai cru qu'il y avait un trésor. Bon, en tout cas, c'est ici que je vous laisse. J'espère que la vidéo vous aura plu. Likez bien fort la vidéo si c'est le cas. Partagez avec vos amis. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Laissez-moi un commentaire pour savoir si ça vous a plu et ce qui pourrait vous plaire. Ce qui vous a plu dans les mêmes anciens épisodes, on sait jamais. Alors, je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Ciao, ciao. I'm waking up to ash and dust. I wipe my brow and I sweat my rust. I'm breathing in the chemicals.